Les principaux défis pour Total 2016-2017 sont d'adapter le système d'information du groupe à la transformation numérique qui est en cours. Évidemment, Total a un groupe qui est large, avec des activités très différentes, et un SI qui a été historiquement surtout constitué de briques très adaptées à certains métiers qui eux-mêmes sont différents, l'exploration, production, raffinage chimie, des métiers commerciaux, industriels. L'engouement et l'évolution du digital nous obligent aujourd'hui à revoir un certain nombre de ces constructions et de faire évoluer ces SI pour justement être plus adaptés à la transformation numérique. Alors évidemment, en 2016-2017, ça va surtout s'axer sur un certain nombre de chantiers. Un premier chantier qui est autour de la construction de plateformes transverses au niveau du groupe, autour de solutions pour l'informatique des objets, l'IoT, qui est un très gros sujet pour nos industries. La gestion de tout ce qui est données analytiques et plateformes analytiques, à la fois pour l'analyse dans le monde industriel ou le monde commercial, et puis aussi une évolution vers plus de cloud, plus d'API au niveau technologie. Enfin, on repense en ce moment l'environnement du collaborateur Total. Il y a 100 000 personnes dans le groupe. Comment on fait évoluer l'environnement de travail vers une digital workplace plus collaborative et plus ouverte vers l'extérieur. Le deuxième point important, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est économiquement sous tension. Le prix du baril a fortement baissé, il y a une très très forte pression sur les coûts et on regarde comment aussi optimiser, gérer les bonnes priorités pour investir sur les sujets qui apporteront de la valeur demain dans l'évolution du SI. Et le dernier point, avec l'augmentation des données et dans notre cas l'explosion des données qui vont être issues du process de nos usines, l'ouverture du SI et l'évolution des menaces, on a un très gros enjeu de sécurité. Alors sécurité évidemment de l'information, mais aussi sécurité de nos installations et on a des gros chantiers sur la sécurisation de nos SI industriels pour protéger nos usines. Mes leviers pour atteindre les objectifs sont tout d'abord un fort support du management et un réel engouement dans la société sur la transformation numérique et j'en veux pour preuve que mardi dernier, on vient de recevoir le classement ICAC 40 de la maturité digitale des entreprises du CAC 40 et Total est passé de la 22e place à la 7e place qui est la plus grosse progression du CAC 40. Donc c'est déjà un signal que la société s'est mise en mouvement. Le deuxième, on a lancé en anticipation dès 2014 une transformation complète de l'organisation du SI de Total qui était organisée par branche d'activité pour créer une grande structure de services transverse au groupe et refocaliser les DSI des business units vers le cœur des métiers et l'accompagnement au numérique et à la transformation numérique. Et enfin, la stratégie du groupe inclut aujourd'hui un pilier de transformation numérique et la preuve en est que le COMEX de Total est allé passer un moment dans la Silicon Valley cet été pour justement s'ouvrir vers l'évolution et le monde des startups. Les startups, il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un fonds d'investissement interne, Total, qui s'appelle Total Energy Venture, qui finance et qui prend des participations dans des startups. C'était très orienté énergie, évidemment, dans un premier temps, mais de plus en plus, il y a une orientation vers le software. Et là, récemment, Total Energy Venture vient de prendre une participation dans une société de software, Autogrid, qui fait de l'optimisation de la smart grid et de l'optimisation des réseaux. De la deuxième manière, nous avons aussi lancé un challenge Usine 4.0 où nous avons sélectionné 9 startups que nous incubons aussi bien aux États-Unis et en France pour justement essayer de trouver des nouvelles solutions pour demain. L'évolution du métier de DSI ou du SI demain est tout d'abord un gros travail de pédagogie dans ce monde en transformation très importante. Évidemment, Total n'est pas une boîte d'informatique. Et il faut énormément expliquer pour que le management du groupe et l'ensemble des collaborateurs comprennent où ces technologies vont nous emmener et comment on peut en tirer parti. Donc il y a un gros travail d'analyse de ce qui se passe et de quelle doit être l'évolution des SI du groupe pour tirer parti de cette évolution technologique. Il y a un deuxième sujet qui est pour nous clé, c'est qu'aujourd'hui, on est une société qui est relativement exposée, donc on a des enjeux de sécurité maximaux. Et donc, on est en permanence très, très actif sur la sécurité. Et c'est quelque chose qui, ça,
ne va pas se transformer, va rester. Par contre, l'évolution des technologies et des menaces étant en mouvement permanent, on doit s'adapter en permanence à ce contexte-là.